Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. Aujourd'hui, nous allons continuer nos aventures de Minecraft. Alors, je sais pas où on en est. Ça va être sympa. Alors, déjà, première chose, c'est que j'ai réduit le chunk au plus bas. Ça permet d'avoir une meilleure fluidité, la maximale que je peux. Donc, par exemple, présentation, regardez. Les chunks sont au plus bas, au lieu d'être au maximum, ils sont vraiment au plus bas, même pas au deuxième, mais vraiment au plus bas pour vraiment avoir la meilleure fluidité sur Intel Family HD. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas compris, parce que certains m'ont demandé dans les commentaires, enfin certains, une personne, comme quoi elle m'avait déjà demandé pourquoi ça marchait, je pouvais pas filmer sur. Mais je rappelle pour ceux qui le savent pas aussi. C'est parce que j'ai un PC HP Intel Inside Score 13, donc un netbook. C'est pas un PC qui m'a coûté cher, dans les 600 euros et pas plus. Donc voilà, c'est pas un PC de fifou de la mort qui tue. C'est pas puissant quoi. C'est un Intel Family. La carte graphique vidéo que j'ai, c'est Intel Family HD. Donc voilà, vous êtes fixé, hein. Ah. Eh mais c'est un manque de respect de cette bête-là. Hein. Sérieux. Ils savent pas attendre que j'ai terminé mon prologue, non? Heureusement que j'ai... À chaque fois, on va avoir un fail comme ça, vous avez... Yo, le mec... Non, toi tu restes dehors. On va faire dodo. Et pouf qui me regarde. Et ça y est, on part en aventure. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, ici on va continuer. On va voir. On n'a pas vraiment pour l'instant d'objectif spécial. Si on m'en propose pas, j'en fais pas vraiment. Enfin, si, j'en ferai au fur et à mesure, mais j'en ferai pas des compliqués. Je sais pas, comme par exemple, notre maison n'a pas de vitres. Eh ben, on va trouver une, comment dire, on va prendre du sable, donc on va le faire maintenant, et on va faire tout simplement nos vitres pour les installer. Parce que je n'ai pas de vitres, donc du coup ça pose un peu problème. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va... Hop, on va faire... On n'est pas obligé à la base. Pas beaucoup. Une pépelle. Et avec ces pépelles, on va récupérer... Oula. On va récupérer tout simplement... bah ça. Un peu nettoyement. C'est bordel. Et bien sûr, j'en profite pour bouffer les trous parce que voilà, je vois pas l'intérêt de trous. Oui, c'est pratique, hein, comme je suis sur une plage. Ben, j'ai déjà ce qu'il me faut. Ça, c'est vraiment pratique. Pas rêver mieux. Vous allez comprendre pourquoi je prends autant de... J'en ai assez. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je prends autant. Parce que si vous voulez, j'ai prévu de faire donc à partir d'ici, je vais faire ça va faire tout le tour du bâtiment. Ah, j'ai un mini freeze. Et puis ça va revenir jusqu'à côté là, et ça va faire comme ça une bonne luminosité de lumière, donc une bonne lumière pour l'intérieur. On débute. Débute ou pas? Donc bien sûr, je ne prendrai pas plus de ressources pour le chauffement.
On va quand même en rajouter un peu pour être sûr. Voilà, pendant ce temps-là, nous on va aller tout simplement un peu voir ailleurs si on y est. Donc ce que ça veut dire, c'est que on va aller faire un petit tour, pas trop loin. On va pas aller trop loin parce que si on va trop loin, après on va se perdre. Donc ça n'ira pas. Donc par exemple là il y a un squelette, un squelette, donc un squeletton. Ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle un squeletton. Donc on va le tuer. Le truc que je pourrais faire pour l'entrée de je vais voir si je sais pour l'hydro retouche. Je vais essayer d'un peu peaufiner les choses. C'est que je vais tout simplement quand je débute, avant l'entrée, je coupe simplement le moment où on voit que je coupe en fait ou que j'allume. Donc mon écran de bureau en bref. Et qu'on voit tout de suite dans le jeu. Ça fera déjà plus propre. C'est ce que je vais faire. Parce que je vais essayer de voir si je peux faire ça sur Edit Retouche non premium, je rappelle. Donc si je sais faire, ce sera magnifique. Et ça va me permettre de tout simplement avoir plus de chance. Oula, pourquoi ça lag comme ça? Non, moi ça devrait pas laguer parce que sincèrement j'ai mis les chunks aussi bas que possible. D'ailleurs, en y pensant, on va prendre ça. Ne vous inquiétez pas, hein, sur les dites retouches, on peut très bien couper, me semble. Enfin, je crois. Parce que ils ont un peu changé l'interface et retiré certaines choses, je sais pas pourquoi. Donc, du coup, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ce que je vais faire, c'est si j'ai toujours coupé, je vais couper les trucs non intéressants, le début et la fin, où je coupe et je quitte l'écran, quoi. Donc, ce sera beaucoup plus propre pour vous. Bon, hélas, la version en fondu ne sera pas disponible, simplement parce que. Si vous voulez, ils l'ont retiré, je ne sais pas pourquoi. Non, ils pourraient très bien laisser pour la version normale. Je veux dire, ça. C'est pas la mort qui tue, quoi. Voilà, c'est dommage. Donc, comme vous l'avez compris, il y aura souvent des petits freeze, hein, mais bon, ça, il faut pas s'inquiéter, pas très grave. Du coup, j'ai perdu ma maison. C'est génial. Ah non, elle est là. Ah ouais, il faudra que je mette un truc vers le haut pour pouvoir repérer ma maison parce que je sens que je vais m'y perdre un jour ou l'autre. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va récupérer du sable à la Watch Dogs Guild et ce sable-là, on va l'employer. Pas encore. On va fermer cette porte. Donc on attend que ça défrise. Merde. Ça, c'est un autre problème. On ne peut pas poser de. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer. On va récupérer de l'herbe. Oui, ça se dit bien récupérer et pas récupérer. Nous voyons, mais vous connaissez pas votre français, disons. Un français ancien. Alors, soit. Oula. C'est voulu. Alors, nous continuons. Donc on va tout simplement récupérer la norme pour pouvoir faire la suite de la chose. Voilà, ça fait déjà pas mal. Et on va tout simplement casser le troisième mur. Ce que je dis n'a aucun rapport et ne veut rien dire. J'aime ma vie. J'aime mon incompréhension aussi. Nexus. Apprenez à déco avec Lumitraize. Oui, c'est très très ennuyant. Surtout que depuis tantôt j'ai une pelle. L'emploi même. Merde. Problème là. Allez, mets-toi. Voilà.
Donc j'ai essayé de me renseigner pour un... Oula, un logiciel. Le chien qui va dans le trou. Par exemple, Sony's Vegas Pro, il coûte dans les 500 et 503 euros. Laissez tomber. Même le moins cher, c'est 200 et quelque chose. C'est trop cher. Je peux pas. Et le craquer, je n'oserais jamais parce que c'est comme ça qu'on attrape des virus. Et je suis trop parano. De toute façon, si mon antivirus aurait bloqué et tout, j'aurais accepté. J'aurais dit, ok, t'as raison, je ne prendrais pas le risque d'aller plus loin. Parce que je tiens trop à mon PC et que c'est un PC. Ben voilà, moi, mon PC, c'est comme si c'était moi. Je vais pas attraper une maladie grave ou un truc dans le genre. Donc je vais pas m'asphyxier de dangerosité, etc. Donc voilà, c'est la même façon de dire. Donc je vais pas prendre des risques, je ne fais pas de crack moi. Je trouve ça dangereux et malhonnête. Je peux pas mettre ça. Ah. Ouf. Mais ouf là. C'est des fleurs, non? Ouais, c'est trop. Ah, il m'en faut d'autres. Oui, je vais dépaysager et machin truc toute la zone pour mon bien-être. Je suis comme ça. Non, mais il sert à rien. Oh, toujours pas assez. Bon, entre guillemets, ça donne une maison bizarre avec des fleurs autour pour se la péter qui ressemble à rien. Pour l'instant. Mais ça va ressembler à quelque chose au fur et à mesure, je pense. J'espère. Le mec, tu sais, il n'est pas du tout. Je ne veux pas mentir à mes abonnés, c'est peut-être ou pas du tout. Passe par là. Ah, ça va être un petit inconvénient, c'est de pas casser les fleurs. J'ai fallu casser. Parlons de casser les fleurs. Tout ce qui me semble. Bon. Toi ta faute, espèce de pouf. Voilà, encore casser une fleur. Je savais pas que c'était possible de casser une fleur. C'est la nouvelle génération de fleurs. J'ai cassé les fleurs. On va faire une hache. Je voulais pas utiliser. Malgré tout, j'arrive toujours à casser le. Ah, vous voyez, je suis en train de casser mes fleurs, hein. C'est magnifique. Il n'y a pas de fleurs. Donc... Ah bah si. Du coup, j'étais trop loin. Non, on va économiser parce que ça fait un peu mocheté. Et le pouf, dégage! Allez, oust! Viens un peu. Oh, c'est pouf. Arrête de me pousser! C'est une andouille. Et le télécharger chez andouille.com. Y a eu un creeper.
Bon, voilà. C'est fait. La maison ressemble déjà un peu mieux à une maison. Silence, Vouk. Oui, petit Wookie, mais oui. Alors. Pardon pour le micro. Donc, ça c'est fait. Si le micro fonctionne bien, parce que j'ai peur d'avoir tapé dans le micro et que ça risque entre guillemets de foutre le micro en l'air. 1, 2, ah non, il n'a pas foutu le micro en l'air, c'est nickel. Oui, du coup, vous avez vu l'interface, mais on s'en fout. Alors, j'ai oublié ce que je voulais faire. Ah oui, les fleurs. Ah, tu te calmes toi. Ah oui, t'es une espèce de pouf. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'était un pouf comme mon pouf. Yo. Comment ça? Sûrement ça. Point com quoi. Ah! Une araignée! Une araignée! Appelez la police, on m'attaque pendant que je travaille, c'est quoi ce bordel? C'était à l'Ukraine. Sérieux, wesh. Avec tous des poufs. Alors, ce qu'on va faire, on va rien faire du tout. Récupérer les derniers composants. Oula, j'ai pas eu fermer mon Minecraft. Oui, il faut faire attention, hein, comme j'ai expliqué à certaines personnes, c'est pas un vrai plein écran, c'est un plein écran fenêtré. C'est pour ça d'ailleurs que quand je fais capture d'écran, ben ça capture. Il n'y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, la maison c'est fait. Ce qu'on va faire, simplement la suite, on va mettre des torches comme ça à l'arrache. C'est simplement pour où? Ah, j'ai pas mis. Ah. Et voilà, regardez comme c'est bobo. Voici la maison de chez nous. J'espère que vous aimez bien. Bon, voilà, par contre, ça c'est pas fini, on va rajouter des fleurs. Ça donne bien, hein, on voit les fleurs derrière, ça donne une petite ambiance assez sympa et truquée. C'est ça qui est beau. Et on va essayer d'en trouver d'autres, et on va aussi aller récolter de la bouffe, parce que je n'ai plus de bouffe. Oui, je sais, j'ai oublié mon pouf. Ouais, mec, tu sais, il ferme la porte, le chien, il pourra pas passer. Vous me croyez pas? Alors, abattre le chien, le pouvoir magique, il peut aussi ouvrir les portes. Oh. Dame. Opération de nourriture. Ouh, toi, c'est pour mes nous. Récupération d'os de pour Wougou. Pour plus tard ou pour les récoltes de blé. Mais je sais pas qu'on a. Oh. Non, on va les laisser tranquille. C'est... C'est mon squelette sur... On aura tout vu.
Oui, elle n'attaquera pas puisqu'on est en plein jour. Donc je rappelle, en plein jour, ils n'attaquent pas les araignées. C'est que en pleine nuit. Par contre, si vous êtes en pleine nuit et que l'araignée vous a vu et qu'après il fait plein jour, là elle vous attaquera parce que l'Xbox est toujours enregistré, enfin pas l'Xbox mais le truc de l'araignée est toujours enregistré en agressif puisqu'elle vous a déjà repéré avant qu'il fasse jour. C'est le seul souci que vous risquez. Donc si au cas où vous vous cachez bien et que l'araignée vous a pas vu, ben dès qu'il fera jour, ça va sera quoi. Vous n'avez pas envie de la tuer, mais vous la tuez pas. Par contre, je vous conseille de la tuer dès que vous arrivez à la nuit. Monter sur les poufs, non, ça marche c'était bien. Faire du pouf cheval. Bon, alors. Pas de nourriture, hein. C'est pas de nourriture. Ça sert à rien. Des potions, ouais, mais. Je n'ai pas besoin de potions. Voyons. À quoi ça servirait? Oh, comme d'hab, hein. Des petits freeze. Mais ce n'est ni grave. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon compteur, donc peut-être que vous aurez un long épisode. Du fait, je ne sais pas où je dois aller pour récupérer. On va déjà chauffer la nourriture qu'on a déjà pour pouvoir manger par la suite. Le but, c'est de surtout. Ah oui. Dans ce temps-là, on va essayer d'aller voir s'il n'y a pas d'autres bouffes parce que j'ai pas assez de bouffe comme ça. Pas rester longtemps en vie. Un coq. Oh. Parce qu'on est en plein jour, hein, je rappelle. Donc, vous avez vu, j'ai des cannes à sucre. Pour nourrir, pour faire je ne sais plus quoi. Je sais pas si on peut bouffer de la canne à sucre. Non, je pense pas. Vous me le direz en commentaire parce que je ne suis pas sûr si on peut vraiment bouffer de la canne à sucre. Ça m'étonne. Ouais. On va éviter de trop s'éloigner parce que comme je l'ai, comme dans Minecraft sous Java. Le monde est infini, donc si je vais trop loin, ben, je vais plus me retrouver. C'est magique, n'empêche, parce que ça, je rappelle, sur tablette, sur Windows Phone ou simple phone, tout simplement, ou Android, vous avez vraiment une version infinie de Minecraft, et ça, c'est beau, c'est magnifique. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo de test de shader si elle est présente. Avec ma tablette, donc ça, bien sûr, là c'est pas fluide du tout avec la tablette parce que voilà, il y a des soucis de fluidité, mais comme ça vous pouvez voir que là j'ai des shaders, pas des vrais shaders, ça c'est pas vraiment des vrais shaders par rapport à les shaders réels qu'on a sur PC, mais ça vous permettra tout simplement. Non, de pouvoir. Voir que vous pouvez déjà trouver pas mal de choses sur version Android. D'ailleurs, si vous souhaitez, si vous le souhaitez dans les commentaires, il vous suffit de demander. Hop. Il vous suffit de demander dans les commentaires si vous voulez une vidéo pour démontrer qu'est-ce qu'il y a comme shaders sur la map. Un pouf en plus. On a deux poufs. Félicitations. C'est des poufs pour l'aventure. J'en étais où? Donc du coup, on va trouver. Waouh, je suis servi en pouf. Paradis des poufs. Trop beau. Par contre, j'ai peur. Vous voyez, je me suis encore éloigné. Je ne sais pas où je suis.
c'est un peu problématique. C'est bien le seul problème avec moi, c'est que je me perds. Regardez comme c'est grand. Ah, mais ça, je vais les récupérer tant que je suis là. J'aurais dû prévoir de pas trop m'éloigner parce que du coup, je suis un peu dans la merde. Et comme j'ai pas plus beaucoup de nourriture et tout, ben, c'est un peu con. On va essayer de atteindre ma maison. Moi qui n'ai pas très doué en sens d'orientation. C'est pour ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, ça m'intéresserait de pouvoir faire des let's play commentés avec vous sur la version, bien sûr, Minecraft Windows 10 bêta, donc sur cette version-ci, hein, sur la version Windows 10 bêta machin. Ça me permettra tout simplement de pouvoir faire des tests, pouvoir faire des petites aventures à part. D'ailleurs, je me suis dit, est-ce que les maps, faudrait essayer ça. Est-ce que les maps sous, est-ce que les, merci. Est-ce que les maps sur PC peuvent fonctionner sur cette version-là? Ça aussi, je vais vous faire le test. Ça pourrait être intéressant pour vous, pour peut-être que par la suite vous aurez plus de contenu à proposer aux gens. Bon, ici, sincèrement, je suis un peu perdu, je vais pas vous mentir. Ça va être chaud de pouvoir retrouver la maison. C'est ça mon souci, c'est que quand je m'éloigne de trop, ben voilà, la surprise, c'est que je retrouve plus ma maison. Et ça, c'est assez problématique. On va essayer de la retrouver, hein. Mon intuition me dit d'aller par là. Est-ce que mon intuition a raison? Je ne sais pas. Ça, ah, mon intuition a pensé pas juste. Enfin, si, dans un sens, c'est bien un hors-piste même. Ah, ça va être chaud. Les gars, on est un peu dans la merde. On va faire cuit. Oh non! Non, non! Il va faire nuit! Oh, je suis dans la merde! Je suis perdu! Faut se dire qu'on a des poufs qui nous protègent. Oui! Des poufs! Ah! Fuck you! C'est ça le souci avec Minecraft, c'est qu'on peut se perdre facilement, donc si je me fais tuer, tant pis. Mais voilà, c'est chiant. Bah, et surtout que je vais pas vivre longtemps là, parce que presque plus. Et j'ai pas de moyens pour me ressusciter. On va essayer, hein, écoutez. C'est dommage parce que du coup j'ai utilisé toute ma nourriture. Ça c'est vraiment dommage. C'est ça la difficulté de Minecraft, c'est essayer de survivre en pleine nuit. On fait la gaffe de retrouver son chemin. Ah, ça m'énerve hein, de pas te retrouver mal. Et pourtant, il me semblait que je ne suis pas mis loin, quoi. Vous voyez, mon souci, moi, c'est ça, c'est que je me perds facilement dans Minecraft. Et ça, c'est vraiment chiant. Quand on est une bouse comme moi, voilà, que ce qui se passe, c'est que je vais sûrement me faire tuer. Ou alors, je pourrais tricher et annuler le truc d'Easy, mais ce serait pas du jeu. Ah, je suis dans la merde. De me tirer dessus, mais arrête de me tirer dessus, putain! Moi je te tire pas dessus. Tu attendras que je suis revenu. Enfin, que j'ai retrouvé mon zone. Les mecs, on est dans la merde.
pense que je vais devoir me faire tuer. Ah, je vais en perdre du stuff. Ah bah oui, tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux. Il n'y a pas moyen que je retrouve ma maison comme je suis parti. C'est parce qu'on est dans un jeu, moi j'aurais déjà trouvé une technique. Ben non, mais ici ce sera le principe de la survie. Hein. C'est possible ça de pas retrouver la zone. Pas où j'étais. Bon, là, écoutez, de toute façon, au pire, je me ferai tuer, hein, c'est prévu. C'est le jeu, hein. Ah bah oui, bah si tu te fous de moi, imbécile, va. Andouille. Et j'ai pas à bouffer pour te nourrir, hein. Ah ouais. C'est une andouille. Ouais, je sais pas. Bon, ça va, les zombies, ça va. Enfin. Bombay, ça va encore. Pense que c'est plus par là. Pense que c'est plus par là en fait qu'on doit aller. On va continuer par là, on verra bien. Qu'est-ce que ça donne? Avançons. Ah, mais avance. Oui, tu peux pleurer. Ouais, bah attends, j'ai de la bouffe. Pour moi. Ouais, désolé, je passe avant, hein, parce que là, je vais crever si ça me nourrit pas. Il y aura de la bouffe après. Oui, très bien. Qu'est-ce que je suis doué? Avançons un peu. Oh, j'ai foutu ma maison. Comment on va faire? Je comprends pas, je me rappelle pas cet endroit, moi. Je me rappelle pas du tout de cet endroit. Ah bah voilà, c'est serré. C'est pas assez réglé. Je suis tranquille. Allez. De toute façon, j'avais prévu que que je me fasse tuer, hein, parce que je commençais sérieusement à en avoir marre de pas trouver la zone adéquate. On va essayer de retrouver l'endroit où je me suis perdu, mais c'est quand même bizarre que les zones que je... Oh, mais c'était juste de l'autre côté. Là, je crois. C'est pas fou en fait. C'est qui c'est encore? Ah oui, c'est parce qu'ils sont dans. En fait, quand les squelettes sont dans l'eau, ben ils ne brûlent pas parce qu'ils sont dans l'eau quoi. Donc l'eau, voilà. Un truc qui devrait régler ça. Hein? Comme vous avez vu, on a perdu aussi des poufs. Non, sincèrement, je vous invite à faire des let's play avec moi si vous le souhaitez. Tant que vous êtes pas non plus à. Tant que vous avez un âge assez intéressant, pas trop jeune non plus, parce que. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a d'expérience sur Minecraft et qui est intéressant. Un gars de 18 ans, 20 ans, 22 ans. Moi j'ai 22 ans pour le dire. Donc c'est pour ça que je préfère quelqu'un du même âge que moi, c'est normal. Je peux partager au moins la même chose. La personne, c'est mieux quoi.
C'est mieux et c'est dur de trouver des gens qui ont le même âge. Après, si c'est quelqu'un de 18 ans, c'est pas mal non plus. Et vraiment, au plus bas, c'est 17 ans, pas plus. Pas moins, par contre. Et il faut pas non plus, je vais pas prendre non plus des gens. Enfin, ça dépend en fait. Peut-être 15 ans, ça va, ou si la voix est. En fait, ça dépend si la voix de la personne fait pas trop jeune, en fait. Ça aussi. Ça pourrait être intéressant. Oh. Je sais pas non plus avoir des youtubeurs connus. Ah oui, voilà. Donc comme on a compris, hein, on recommence de zéro, comme si on recommençait de zéro. Est-ce qu'on a perdu tout? Vous voyez, c'est ça le problème avec Minecraft, c'est qu'il devrait créer un truc de sauvegarde. Et deuxième problème, c'est que j'ai pris un mauvais arbre. Il devrait créer un truc avec Minecraft, c'est que un truc de sauvegarde d'inventaire. C'est chiant. Moi, j'aime pas trop ce genre de truc de toujours devoir recommencer. C'est pas intéressant, quoi. Du coup, je reprends, je refais la même chose. Il y a quoi comme intérêt là? Non, c'est ce truc qu'il faudrait qu'ils apprennent à faire. Après, voilà. Une bouse, hein, j'ai déjà dit. Une grosse bouse, une bouse en Minecraft. Et c'est bien le problème. D'ailleurs, en parlant de bouse, allons voir à combien nous sommes. Nous sommes à 37. Oh bah tant pis, ça durera plus longtemps, hein. J'ai pas prévu de quitter maintenant. Pas prévu de quitter maintenant. Lecture. Voilà, donc hop. On va continuer encore un peu. Vous aurez un épisode de 44 minutes, hein, de 50 minutes. Je pense que je vais faire en streaming peut-être ces épisodes-là. Parce que ça devient assez chaud. Si à chaque fois je crève et tout, c'est mieux de faire de la survie. Ce sera plus efficace parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Sert à rien. Et c'est vraiment la première fois où je triche pas, quoi, parce que je peux vous dire que ce genre de truc là me fait tricher en mode tout seul. C'est chiant, quoi. Automatiquement quand je perds mon stuff, moi j'ai envie de les récupérer. C'est vrai que ça enlève le challenge, ça enlève tout soi-disant le truc, mais sincèrement, je pense que tout youtubeur fait des trucs en cachette. Hein, parce que pour rester humain, ça peut être assez obsolète à part finir assez emmerdant. Donc du coup obsolète pour se dire que si la personne rage déjà au début, elle va sûrement pas vous dire qu'elle a triché derrière. Donc il faut être méfiant. Après c'est ici, moi je reste très cohérent parce que automatiquement quand je quitte le Minecraft, vous me revoyez à la position, la même position que j'étais en quittant, quoi. Donc ça démontre bien que je triche pas avec le même stuff et tout. Mais il y en a des que, comme vous voyez, ils quittent et après vous les retrouvez autre part avec un autre stuff, avec un peu plus de stuff. Et ils vous racontent comme quoi il a miné, et il a récupéré comme par hasard 27. C'est peut-être possible que cette personne-là a triché, quoi. Elle va pas vous dire. Hein. Donc faites gaffe à ceux qui font ce genre de trucs. Ne posez leur questions si vous avez vraiment été sincère. Et disez-le le premier challenge. Vous n'allez pas autre, vous devez réapparaître là où vous étiez, sans miner, sans tricher, pour être intéressant, parce que sinon c'est de la triche. C'est trop facile, tout le monde sait faire ça, tout le monde sait tricher. Enfin, moi je dis ça, mais je dis ce qui est vrai, hein. C'est vrai.
Voilà. On va aller récupérer des minerais. Y en a encore, hein. Ici, hélas, je suis tout seul. J'ai plus de pouf qui m'accompagne, c'est dommage. Oui, et on a des mobs aussi. La dernière fois, vous vous souvenez, on n'avait aucun mob. Donc c'était assez facile de récupérer du minerai sans être dérangé. Voilà, on a déjà trouvé du fer, c'est déjà pas mal. Un fer, waouh, on va aller loin, mais c'est déjà ça. Est-ce qu'on prend... Ouais, fuck. Vous voyez, en prenant un des risques, on trouve déjà... chaussette à son pied. Oula, comme vous voyez, je ne triche pas, moi. Je vous le fais devant vous. Vous faites tout ça honnêtement. Comment nous regarder ensemble ce que j'ai comme nombre? J'en ai 11. Et j'ai pas triché pour les avoir. Donc, au moins, moi, vous voyez, je suis un youtubeur honnête pour l'instant. Après, je peux dire... ça m'est arrivé aussi dans l'autre de faire un petit truc. J'ai un peu triché parce que j'ai eu un souci, mais c'est pas vraiment de la triche en fait. C'est simplement que la map a eu un souci et du coup j'ai dû me restoffer et me redonner exact plus ou moins le nombre que j'avais. Mais comme je ne savais pas vraiment trop le nombre que j'avais, bah, du coup je me suis donné plus ou moins ce que je pensais. Donc j'aurais peut-être sans faire exprès m'avoir donné un en plus de minerai et que j'en avais un peu moins. Voilà quoi. C'est parce que j'ai eu un souci avec une map à cause d'un mob. Un bruit bizarre d'ailleurs. Ça m'a toujours étonné. Les mods qui font des bruits bizarres en entrée quand vous commencez. C'est très très bizarre. Il n'y a aucun mot. Ok, drôle. N'y a pas de monstre, et pourtant on est en plein noir. Devrait être risqué quoi. Peut-être parce qu'on est en mode facile. Donc je vais pas me mettre en mode difficile, je suis bon. On est très bien en mode Je veux dire, je débute dans le sens du survival, moi. Avant, je m'en souviens, en fait, si vous voulez, l'anecdote, c'est qu'avant, j'avais déjà commencé des let's play commentés. Et on va remonter, on va revenir là, à la maison. Et le truc, c'est que... Ah, je vais commencer des let's play commentés. Ah ouh. C'est assez sympa. Comme jeu. Ah mais non, qu'est-ce que je raconte, c'est pas des let's play commentés. C'est parce qu'en même temps, comme j'ai dit à chaque fois que je fais... Je peux pas faire deux choses en même temps, sinon je dis n'importe quoi. Non. En fait, avant, j'avais les versions Minecraft, vous savez, j'avais pas du tout de PC. Et j'ai eu au tout début une tablette, une mini tablette à 99 euros, mais c'est des tablettes pourries, hein.
des tablettes pas très puissantes. Donc j'avais la version pour une version pourrie de tablette. C'est une CoolTabs machin, mais elle était un peu à déconner. Le firmware commençait vraiment à déconner. Et alors, le souci, c'est que à ce moment-là, moi, je voulais Minecraft, mais j'avais pas Minecraft, j'avais Minecraft sur aucun support, en fait. Parce que je sais pas c'est quoi ce truc. Passe. Ouais, c'est rien. C'est un souci. On va bientôt arrêter à 50 et ça vous fera une heure. Dorénavant, je vais mettre une minute si j'y pense. Mais ici, c'est vraiment parce que je vais vous prouver que je ne triche pas. Voilà, vous avez vu que je ne trichais pas. Mais écoutez, on va se quitter ici parce que je pense qu'on va attendre le demain. Donc je vais attendre le jour du lendemain. Hein. J'allais me mettre à l'abri. On continuera un peu à miner ou autre. On va se mettre sous protection hein, parce qu'on va pas prendre le risque d'aller plus loin. Voilà, je mets ici. Je pense que la suite je ferai en live en fait. Donc parce que je suis pas très doué en truc. Donc voilà, oui. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Allez. Donc voilà, la suite on la fera en live. Donc sur Twitch. Donc je mettrai le lien dans la description pour le prochain. Enfin non, il n'y a même pas besoin. Ça c'est la rediffusion sera là. Donc je préfère faire comme ça parce que c'est un peu gavant de faire. Enfin, c'est pas gavant, mais c'est chaud parce que je ne sais pas les minutes que je prends en vidéo. Donc, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo, bien sûr, hein, sur Minecraft. Je vous souhaite une bonne continuation de votre côté. Donc, n'oubliez pas, si ça vous intéresse de faire des let's play commentés en coopération, et que vous avez aussi la même version que moi, donc sur Windows 10. Je ne parle pas de la version Java, parce que la version Java, c'est impossible. Je peux pas faire de vidéo sur celle-là. Ça lag de trop, c'est impossible, c'est tout. Point barre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire de la coopération sur la version Windows 10 bêta, eh ben, c'est accordé, on pourra faire des petites mini-aventures. Bien sûr, il faudra trouver des maps. C'est ce que je vais faire comme test plus tard, ou après vous avoir coupé, etc. Donc je vous dis bye bye et ciao ciao. N'hésitez pas à partager et à parler de moi parce qu'il y a peu de chance du fait, je mords pas. Si vous voulez vraiment m'aider, partagez mes contenus et aidez-moi quoi, faisez-moi moi connaître parce que comme vous voyez le nombre d'abonnés, c'est j'en ai que 59 ici et encore ça va même peut-être parce qu'il y a des gens qui sont trollers, ils s'abonnent et puis se désabonnent en fait. Donc ça se peut après quelques jours j'en ai de retour 53 etc. Donc voilà, je sais pas pourquoi ces gens font ça. Donc je vous dis à la prochaine fois et bye bye quoi.